Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire, je vais appeler ça un webinaire. Je vais vous montrer 10 astuces pour avoir un meilleur blog que vos concurrents en 2017. L'idée, c'est de repartir d'une étude et vous présenter point par point en espérant que ça vous aide. Donc, on va se concentrer sur le blog, sur un article de blog, comment améliorer vos titres et comment améliorer le contenu selon cette étude qui a été faite sur des millions d'articles. Et donc l'idée, c'est peut-être d'implémenter quelques idées que je vais vous présenter là de façon assez courte, en 20 minutes, point par point. Du coup, c'est parti. Donc le blogging, comme vous le savez, a changé. Le nombre d'articles de blog a augmenté de 800%, donc les entreprises créent de plus en plus de contenu, et dans le même temps, il y a une perte de vitesse du côté du partage sur les réseaux sociaux, puisque ça a diminué de 89%. Donc c'était une guerre que vous menez pour avoir de la visibilité et créer du trafic. Ça devient très difficile. Face à ça, du coup, bah, voilà, un simple graphique le présente. La courbe en rouge présente le nombre de moyens d'articles créés, et en violet, en fait, on voit la baisse du nombre de partages sur les réseaux sociaux. Donc les marketeurs ont publié plus de contenu, mais ont perdu la bataille de la distribution et l'interaction des internautes. La taille des posts, d'abord, une évolution là entre 2015 et 2016, c'est que sur l'année, les articles sont passés de 639 mots à 718. Donc les marques ne produisent pas seulement plus de contenu, mais des articles plus longs. On s'est rendu compte, mais ça je pense que vous le savez si vous regardez ce webinaire, c'est que pour être mieux positionné sur un moteur de recherche tel que Google, il faut écrire des articles beaucoup plus longs. Donc, comment créer des articles de blog plus facilement partageables? Le timing est hyper important. On va le voir déjà avec ce premier graphique. Ici, vous voyez les jours de la semaine, donc de lundi à dimanche. Vous vous rendez compte d'une chose, c'est que par exemple, bah, le pire moment en fait pour publier un contenu, c'est le mercredi ici à midi. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une forte concurrence ici, le nombre de blog posts qui sont partagés, et en même temps le partage, voyez, qui est assez faible. Mais on s'est rendu compte que vraiment à ce moment-là, il y a trop de partage pour avoir de la visibilité. En vérité, le meilleur moment semble être déjà le dimanche ici. Pourquoi? Parce que peu de concurrence, et si vous comparez aux autres, enfin, énormément de partage. En revanche, donc du coup, le meilleur moment pour publier, on a vu, c'était le dimanche, et semble-t-il, selon les horaires, il semblerait que ce soit vers 15 h. Donc c'est une étude qui est sortie, c'est une étude américaine. Je vous invite à tester. Je suis assez convaincu que les gens en entreprise recherchent de l'information, se mettent sur leur tablette ou leur mobile le dimanche après-midi, ils ont un peu de temps, ils regardent un peu le contenu, les informations, que ça peut être à ce moment-là d'envoyer un petit mail par exemple pour dire on a sorti un nouvel article sur tel ou tel sujet. Ils ont du temps, si c'est vraiment un sujet qui les intéresse, c'est vraiment important. Je pense que ça peut être en tout cas un bon moment à tester pour vous auprès de votre audience. Comment rédiger le meilleur titre pour vos articles? Quelques points importants. La longueur optimale ici. Donc on voit ici le nombre de partages par poste. On se rend compte que le nombre de mots, voilà, qui fonctionne bien ici, c'est 7. Donc essayez d'avoir des articles entre 6 et 8 mots dans vos articles. Et en plus, en termes de caractères, sans compter les espaces, le nombre optimal est de 41. Donc voilà, essayez d'optimiser de ce côté-là pour voir si ça fonctionne un peu plus. Toujours sur la partie des titres. C'est la ponctuation. La ponctuation, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur le nombre de partages, eh bien, ici, vous regardez, la barre verticale performe énormément en termes de partage. Vous voyez, c'est assez énorme. Suivi d'un double guillemet et d'un guillemet simple ici, le point d'interrogation, le hashtag. Donc peut-être essayer de votre côté cette barre verticale dans un titre, si ça semble pertinent, à tester, voir si ça fonctionne ou pas. Donc guillemets, double guillemets, ça j'en ai parlé, l'utilisation de questions dans les titres est corrélée à un plus grand nombre de partages. Bon, voilà, ça c'est ce qu'on a vu dans le tableau. Meilleure technique pour le titre d'un article, les superlatifs. L'ajout d'un superlatif augmente les chances de partage d'un article. Donc vous voyez ici entre 1 et 2, 3, on voit qu'il y a une baisse, mais finalement ça reste quand même assez important, on est autour de 250 partages. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer d'intégrer un ou deux superlatifs dans vos titres d'articles, puisqu'on est toujours dans les titres. Les pronoms. Sur les pronoms, les articles avec deux pronoms dans le titre obtiennent le plus d'actions, donc le plus de partages, en moyenne avec 446 partages. Et plus vous ajoutez des pronoms, vous voyez, plus en fait les partages diminuent. Donc essayez entre 1 et 3. Voilà, c'est des tests à faire avec le temps.
Tout simplement, utiliser la deuxième personne dans les titres. Tu ou vous, selon votre audience, si vous voyez, si vous les tutoyez. Le pronom plus performant est vous-même, avec une moyenne. Ça, c'est une traduction de l'anglais, donc voilà. Restez peut-être méfiant par rapport à ça. Mais en tout cas, à tester, à parler directement aux gens, ça peut fonctionner. Ensuite, comment créer le meilleur contenu pour votre article? Donc là, on est vraiment sur le contenu. La longueur, c'est-à-dire le nombre de mots que vous allez pouvoir rédiger. En réalité, ici, on se rend compte qu'entre 1200 et 1400, on atteint plus de 400 partages ici, donc ça semble être la bonne longueur, entre 1200 et 1400 mots. Donc revoyez les contenus que vous avez déjà rédigés, regardez où vous en êtes, et pourquoi pas reprendre vos contenus pour rajouter de l'information autour de ça. Si vous avez fait des contenus qui sont à 600, 800, 900, 900 mots par exemple, n'hésitez pas à peut-être essayer de développer en fait ces articles-là, plutôt que de démarrer par exemple de zéro sur le prochain article. Ça vous semblera moins difficile, moins d'efforts à réaliser. Phrase et structure. Donc ici, les articles de blog dans la moyenne est de 20 mots par phrase sont les meilleurs. Donc, ça, je pense que vous le savez, il faut des phrases assez courtes, assez directes, et pas forcément faire des gros paragraphes, mais n'hésitez pas, voilà, à faire des phrases plus courtes, à aller à l'essentiel, voilà, dans un style assez direct. En termes de longueur de paragraphe, les billets de blog avec des paragraphes courts sont partagés plus souvent. Donc finalement, c'est en corrélation avec le fait de faire des phrases de 20 mots. Et les articles de blog contenant des paragraphes, contenant deux phrases, sont en moyenne les meilleurs, avec une moyenne de 151 partages. Donc voilà, faites court, essayez de résumer un peu votre pensée et les messages que vous voulez faire passer. Sur les images et la vidéo, là aussi c'est très intéressant, on s'est rendu compte que dans les articles, 11 images, des articles avec 11 images sont plus performants. Voilà. Mais les images restent quand même importantes, donc voilà, 11, c'est vraiment là, il se passe quelque chose. Vous voyez, 9, 10, c'est encore très bien, 7, 8, 6, vous êtes sur un bon niveau. Donc n'hésitez pas à partager du contenu, d'intégrer des photos. Pour ce qui est des vidéos, la distribution optimale des images, donc le contenu est différent de celle des vidéos. Les articles affichant de 800 à 1000 mots, alors là on reste finalement toujours encore sur les images, par image sont les meilleurs. N'hésitez pas, vous voyez, à mettre ici un nombre de vidéos. Ici vous avez 8 vidéos, donc c'est énorme, c'est assez rare qu'on voit ça en France. Mais n'hésitez pas à intégrer des vidéos assez courtes. Vous voyez, quand vous faites je sais pas, des webinaires, vous enregistrez des vidéos, essayez de les couper et que ce soit lié avec un paragraphe. Du coup, la personne, si elle ne veut pas lire, elle va simplement regarder la vidéo. Ce qui pourrait être beaucoup plus impactant, même en termes de référencement sur YouTube. Vous avez votre vidéo globale et puis après, vous la coupez en petits extraits qui parlent de points très précis. D'autre part, des articles de 1200 à 1400 mots par vidéo sont les meilleurs, avec 326 actions sociales moyennes par poste, de partage. Donc les articles de blog sont plus partageables avec plus de contenu écrit par vidéo que par l'image. Donc n'hésitez pas, vous voyez, quand ici vous faites des articles longs, 1200, 1400, voilà. Aujourd'hui, les gens se sont habitués et veulent de la vidéo, donc il va falloir que vous vous y mettiez. Avec quelque chose de pertinent, ça peut être simplement filmer votre écran et apporter de la valeur ajoutée, quelque chose d'assez direct, d'assez rapide, mais voilà, ça évite pour les gens de lire, ça humanise aussi également le fait d'entendre la voix de quelqu'un, ça humanise pardon, l'entreprise et puis en fait le support, le blog, donc c'est aussi un vrai plus et c'est pas forcément très très long à réaliser une vidéo comme ça assez courte, alors, ensuite vous allez simplement couper. Toujours sur le contenu, la ponctuation. Donc, articles avec des guillemets ont des partages plus élevés. Les billets de blog comptant entre 31 et 40 guillemets sont plus performants, avec 200 partages. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre également des citations, ça fonctionne assez bien. Autre point, utiliser des points d'interrogation et des points d'exclamation. Les articles affichant de 1 à 10 points d'exclamation ou de points d'interrogation ont le meilleur rendement, avec respectivement 87 et 120 partages en moyenne. C'est aussi une façon qui fonctionne bien, c'est de poser des questions pour structurer en fait votre article. Vous posez une question et vous y répondez en un ou deux paragraphes. Vous posez une nouvelle question et du coup on voit tout le processus par lequel vous êtes passé pour répondre sur un sujet précis. Donc ça peut fonctionner. Et puis le point d'interrogation, enfin, le point d'exclamation permet aussi d'exprimer quelque chose de personnel ou de surprenant, ce genre de choses. N'hésitez pas à l'utiliser. Les articles avec une moyenne avec une virgule par phrase, avec une moyenne d'une virgule par phrase sont les meilleurs. 143 partages, on s'est rendu compte. Donc, phrases simples sont corrélées avec un plus grand nombre de partages. Faites simple, faites court, 20 mots par phrase.
Articles avec une moyenne d'une virgule par phrase sont les meilleurs, donc 143 partages, vous voyez. Là, c'est une corrélation avec ce qu'on s'est dit ici, mais là, c'est le graphique qui se concentre simplement sur les virgules par phrase. Sur les chiffres, ici, donc blogs qui affichent un chiffre sont les plus performants avec une moyenne de 103, une moyenne de 395 partages. N'hésitez pas à mettre des chiffres dans vos articles. On connaît le format liste qui fonctionne toujours hein, dans les titres d'articles. Par exemple, ben, voilà, il y a comme l'exemple d'aujourd'hui avec les 18 astuces pour avoir un blog plus performant. Ça fonctionne aussi également dans les articles. N'hésitez pas à intégrer des chiffres, à démarrer des chiffres en faisant un constat par autour de votre sujet. Ça marche aussi très très bien. Les titres, nombre d'entêtes utilisés dans un article n'a pas vraiment d'impact sur les partages. Donc c'est pas parce que vous mettez beaucoup beaucoup d'entêtes que ça va avoir un impact selon que vous allez ou pas organiser votre titre, ça ne joue pas. Donc là-dessus, voilà, pas besoin forcément de travailler énormément dessus. Enfin, sur les listes, les articles de blog avec deux listes sont les plus performants, une moyenne de 620 partages. N'hésitez pas à utiliser ce système de bullet points, faire des listes. Voilà, ça fonctionne bien, c'est facile à lire, c'est rapide, ça clarifie aussi la pensée, donc c'est une très bonne chose. J'essaie de faire très très court, donc maintenant vous avez toutes les informations pour réussir avec votre blog. Si vous avez des questions, vous pouvez directement m'écrire sur mon blog, vous avez un formulaire de contact, donc n'hésitez pas à partager le contenu. S'il y a des gens, vous pensez que ça va les intéresser d'avoir ces quelques informations-là pour améliorer au quotidien la rédaction de leur article, parce qu'on sait que c'est compliqué, que c'est difficile et qu'on a tous les jours de la peine pour essayer d'avoir quelques partages, pour avoir de la visibilité, ce genre de choses, n'hésitez pas à leur partager ce contenu-là directement, ça peut les aider. C'est quand même l'objectif de ce contenu, c'est de pouvoir aider un maximum de gens à essayer d'améliorer leur performance au quotidien sur la rédaction et sur le fait d'augmenter le partage des articles. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.